Bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue dans ce streaming live que je suis très très heureux de vous offrir ce soir, en ce jour de mon anniversaire. Cette fois-ci, j'avais envie, moi, de vous faire un cadeau. Je vais vous présenter, bien sûr, les gens un petit peu plus tard dans le concert qui sont avec moi sur scène. Et puis, il va y avoir quelques surprises. Mais pour l'instant, on va enchaîner, on va s'amuser, on va essayer de partager ensemble, même à travers un écran. Je sais que c'est possible, je compte sur vous, chez vous. Tu me dis que rien ne passe, même au bout d'un moment, qu'un beau jour c'est une impasse, et derrière l'océan, que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent, que tout refait surface comme hier, droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps, qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant. Regarder en arrière, revenir en souriant, en gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire, qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré. Thank you.
n'achète rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Alors j'espère que vous passez un bon début de soirée avec nous pour ce concert. Et puis je vous ai annoncé en début de concert des surprises. La première surprise justement, c'est une chanteuse, mais surtout une amie qui va me rejoindre pour le prochain duo. Et le prochain duo, c'est une chanson qui me tient à cœur et puis qui lui tient à cœur aussi. On a chacun notre histoire sur cette chanson. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vue et vont la reconnaître. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'accueillir Nathalie Ratel. Bonjour. Quel plaisir de t'avoir avec Quel moi plaisir. Pour ce concert. Mais oui, c'est avec super. Avec nos formidables musiciens. Promets-moi, si tu me survis, d'être plus forte que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. L'amour est plus fort que tout. Ni l'enfer, ni le paradis ne se mettront entre nous. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, elle ne prendra que mon âme, mais elle n'aura pas mon cœur. Pense à moi. Tiens-moi.
se retourne. Nathalie Ratel. Alors pour la prochaine chanson, certains d'entre vous la connaissent, c'est une chanson que je chante depuis déjà un certain nombre d'années, une chanson qui a été composée par un compositeur, un grand compositeur qui s'appelle Yves Gilbert, qui est le compositeur de Serge Lama, entre autres Une île, D'aventure en aventure, toutes ces belles chansons. Cette chanson, je l'ai écrite dans une période de vie où justement j'avais besoin de croire encore à la vie, de croire encore au fait qu'il puisse arriver des belles choses. Et malgré tout ce qui peut se passer, et surtout malgré cette période qu'on vit, ce soir j'avais envie de vous l'interpréter. Elle s'appelle tout simplement « Crois ». Zéro moral dans le dos. Je repense à mes amis pour qui tout est bon, moral au plus haut. Je ne sais plus qui je suis, je suis mal dans ma peau. Mais si j'y crois, Dieu merci, j'irai plus haut que mes idéaux. J'ai vécu sous des posters à me croire le seul.
autour de vous. J'en ai refait des concerts en rêvant de voir apparaître Marie-Lou. J'inventais des lettres à France en solitaire, en silence. Si je n'ai pas su l'écrire, je voulais simplement te dire que si. Choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau.
à la porte juste avant l'heure, juste avant le prix du bonheur. Je m'y retrouve encore une fois, sans en franchir le dernier pas. Le rideau s'ouvre, je suis à nu, chanteur interprète inconnu. Devant vous je vis mon destin comme un acteur, ni plus ni moins. Et même si je n'atteins jamais la ligne blanche ou le trophée, sans en faire trop pendant des heures, j'essaierai d'être à la hauteur, d'être moi. Je m'abandonne à être plus fort que personne. Et soudain je suis rattrapé par cet endroit où je suis né, qui me rappelle que la vie c'est d'être pour vous qui je suis. Et moi je suis juste un chanteur, un qui rit qui pleure. Alors pour la prochaine chanson, une prochaine surprise, je vous annonçais plusieurs surprises dans ce spectacle, encore une amie, encore une chanteuse, celle-ci vous avez pu la découvrir avec moi sur plusieurs scènes, sur plusieurs titres, et puis là ce soir on va vous interpréter un titre, c'est un petit peu notre titre fétiche, je vais l'inviter à me rejoindre, elle est quelque part, par là elle va apparaître, voilà. Elle s'appelle Jeannie Maconnet. La voilà, la belle Jeannie. Ça me fait très plaisir que tu sois là ce soir. Moi aussi. Au même titre que Nathalie qui était là tout à l'heure. Je suis pas contente. On va partager ce duo qu'on chante depuis maintenant une bonne dizaine d'années, quand on s'est rencontrés à peu près. Voilà. Très belle chanson de Jean-Jacques Goldman, bien sûr, La Barre. La force et la foi. Ooh.
ta portée de tes doigts. C'est pour ça que j'irai là-bas. J'ai un bleu, les pieds sur terre.
J'ai toujours confondu la vie avec des bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. De l'univers, j'ai pas tiré mon numéro. Je suis mal dans ma peau. J'ai pas envie d'être un robot, mais trop boulot de dos. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure? Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais être un oiseau. J'suis La prochaine chanson, c'est une chanson que vous connaissez tous, une très grande chanson de Monsieur Serge Lama. Si je chante ce soir, encore une fois, cette chanson, c'est déjà parce qu'elle me tient. Elle me tient à cœur et puis j'ai eu la chance et le plaisir de pouvoir l'interpréter avec une artiste du milieu du cirque, au cirque d'Alexis et d'Anna Goulgrus, qui est situé à Saint-Jean-de-Bray, cirque où j'ai le rôle de Monsieur Loyal, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui sont dans la région. Voilà, c'est et dans cette période, j'avais envie de refaire cette chanson et en hommage aussi à Serge Lama. Et puis, pour repartager, revivre un peu ce moment magique que j'ai pu vivre sur le concert, les dates du cirque de Noël, du cirque. Je vous la fais partager avec les musiciens. Je suis malade. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'y m'aime plus d'histoire. Je suis seul sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie, même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky
pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps. Et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants. Tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi, moi j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul. Avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants. Tu m'as vidé de tous mes mots. Et j'ai le cœur complètement malade. Et moi peut-être plus.
Sur ce concert, je voudrais, s'il vous plaît, vous présenter Jean-Luc Paris à la guitare électrique, à la guitare acoustique, au piano et au clavier, Monsieur François Legrand. Mes cils et mes cheveux.
comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche, mais ne dors pas. Je pense à mes amours sans joie, si dérisoire. À ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu. Jamais lui avouer mon tout secret, mon tendre drame. Car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homo, comme ils disent. La prochaine chanson, c'est encore une surprise. Je vous ai prévu des petites surprises. La demoiselle qui va venir me rejoindre sur scène, vous l'avez vue de nombreuses fois à mes côtés, et cet été dans le sud, et puis avec les projets aussi qu'on a pu sortir ensemble, comme Tu es mon autre, la reprise de Morane et Lara Fabian, qu'on avait sorti il y a un an et demi. Elle va me rejoindre sur scène, cette fois-ci pour chanter, non pas « Tu es mon autre », mais un autre titre qui nous tient à cœur, qu'on a chanté tout l'été ensemble. Voilà, je vais accueillir Magali Vahé, qui va nous rejoindre sur la scène. Voilà, ça fait plaisir de se retrouver, on peut continuer voilà, avec tous mes amis artistes qui m'ont fait le plaisir de venir partager ce moment de plateau, de pouvoir continuer à chanter, de pouvoir continuer à jouer avec des musiciens et à partager justement tout ça dans cette période où on a besoin de ça, parce qu'on a besoin de la musique, on a besoin de la culture, on a besoin de tout ça. Et par ce concert, j'avais envie de vous offrir justement un petit moment de plus, parce que beaucoup d'artistes offrent des choses et c'est ça qui est merveilleux, c'est que les artistes continuent et c'est de garder la tête hors de l'eau pour continuer justement à vous faire rêver et vous donner du plaisir, parce que avant tout, c'est notre métier. Avant toi. Y avait pas d'image, y avait pas de couleur, y avait pas d'histoire, mon âme sœur. Y avait pas les fêtes, y avait pas le cœur. Aucun sourire, mon âme sœur. Tu sais, le monde ne tournait pas rond. J'avais les mots, mais pas la chanson. Tu sais, l'amour, tu sais, la passion. Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. Le chemin, ouh, ouh.
Nous arrivons à la fin de ce concert, mais je vous ai réservé encore une petite surprise. Un jeune homme, il s'appelle Benji, il a une voix formidable, et puis un soir d'été, il y a quelques années, on s'est retrouvés sur une scène où on a eu envie, comme ça, à l'impro, de chanter une très belle chanson des 10 commandements qui s'appelle « L'envie d'aimer ». Et puis ça a matché, ça a collé, il y avait une superbe énergie. Et ce soir, j'avais envie de vous faire vivre cette énergie. C'est tellement simple, l'amour. Tellement possible, l'amour. Tout le temps, mais ce sera nous des
préférence un état d'âme, une circonstance, un corps à corps, en désaccord avec les gens trop bien pensants, les mœurs d'abord. Jamais crier, ils s'aiment en silence, sans jamais mentir ni se retourner. Et puis
ça pour pouvoir réaliser de merveilleux plateaux comme ça. Encore merci aux musiciens Jean-Luc, François, Richard et Maurice. Est-ce que Pauline... Merci à tous pour ce moment et j'espère à très bientôt, cette fois-ci en live avec vous, le public, là devant nous, pour retrouver cette chaleur, retrouver ces moments de partage, ces moments de bonheur qu'on peut vivre ensemble, parce que la musique c'est avant tout ça, partager, recevoir. Merci à tous et j'espère à très très bientôt. Pauline vient me rejoindre. Pascal, est-ce qu'il est là? Pascal et Pauline, s'il vous plaît. Voilà, Audio Espace, c'est grâce à eux, elle s'est occupée justement de toute l'organisation de ce concert aussi. Ça a été un vrai boulot. En plus, je suis pas tout le temps facile. Merci. Et Pascal, Pauline et Pascal Rey, justement, voilà. Audio Espace, le labo. Merci, merci à tous. Merci à tous de m'avoir vraiment permis d'organiser ce concert. Merci.